Salut, salut! Comment ça va? Donc aujourd'hui, pour un nouveau mercredi de bras de fer sur Hearthstone. Mercredi de bras de fer sur Hearthstone, c'est un nouveau titre. Mercredi de bras de fer sur Hearthstone. C'est de plus en plus long, tu sais. Ouais. Mercredi de bras de fer de Nono sur Hearthstone, le jeu de chez Blizzard. C'est ça. Allez, c'est mardi. Mais tu l'as pas fait, mais tu m'as dit que t'avais regardé, que c'était cool, c'est ça? C'est ça, bah j'ai juste lu le truc là, quoi. Donc c'est avec Valera. Valera, c'est la... Enfin, la voleuse, quoi. Oui, c'est ça, c'est la meuf qu'on incarne en tant que c'est ça, et donc elle a volé des sorts de chaque classe, elle a rempli notre deck avec. Du coup, chaque sort avec un serviteur aléatoire, de même coup quand il est joué. Et du coup, par contre, c'est des sorts de chaque classe, de toutes les classes mélangées pour pouvoir. Toutes les classes, c'est ça qui va être trop cool. Et tu vas pouvoir choisir quand même la classe que tu veux. Ouais. Bah, non. Non, du coup, on choisit pas. Je pense pas qu'on choisit la classe, mais ça va être plusieurs trucs. Du coup, j'étais trop en mode. Parce qu'à chaque fois, avant de venir tourner, je lis quand même le thème du bras de fer et tout ça. Et, en plus, fini dans un jour, forcément. Parce ouais, que c'est ça. Sort, voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, j'étais, oh non, faut pas que je le fasse, faut que j'attende et tout. Donc, j'étais très impatiente. Qu'on va voir comme message aujourd'hui. Voyons voir. Attention. C'est quand tu veux, machin, de trouver un adversaire. Genre, y'a personne qui joue en ce moment. Ah, genre, t'as une grosse peur et tout sur ton verre. Mais pourquoi ? Attention, adversaire convenable, comme d'habitude. Bah oui, à chaque fois, ça change jamais. Tu vois, c'est Ah oui, c'est forcément Valérie. Bah oui, c'est la fameuse voleuse. C'est ça. Je suis très mal joué. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, t'as un sort qui coûte de plus en plus cher et ça invoque un serviteur de plus en plus cher. Ça a l'air d'être ça, non ? Non, c'est invoque un serviteur du coup de mana égal au sort que t'envoies. Ok. 4 dégâts de la single pied d'un serviteur. Ah, c'est pas mal ça, la place une copie. Oui. Ah ouais, t'as vu ça? Bah pour... Est-ce qu'elle est sur charge? Bah c'est surtout pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin. Je sais pas, on verra bien. Ouais, c'est bien. De toute façon... on verra bien ce... Ah ouais. On verra bien ce que ça donne. Là, je me... Invoque deux feux follets. Là, je suis carrément paumée, en fait, donc truc, je suis... Okay. Attends, invoque deux... Attends, montre-moi la carte. Pas sur la carte. Ça? Un feu follet. Ouais, ou plus de serviteurs. Là en l'occurrence, ça. Oh merde. Attends, c'est place une copie. Non, ça veut dire adverse dans votre main. Ah ouais, d'accord. Dans votre main. Bah autant faire ça. Ouais, tu vas le tuer dans votre main. Ouais, avec un golem de jade. Au prochain tour? Non, quand il est tué. Ok, ah, c'est pas mal. Il a le camouflage. Attends, il a le truc où il t'attaque dès le début. En plus, ah, c'est pas mal. Hein. Elle est pas mal cette créature pour une 1-1. Bah, c'est l'attaque et les PV de serviteur à 10. Tu fais ça sur 7. Ah ouais, j'avoue. Ouais, mais c'est niveau 8 quoi. 8 de mana quoi, ça va pas être tout de suite. Tour 8. On vole 3 très 1. Yes. Donc là, c'est que des sorts. Tu joues qu'avec des sorts en fait. C'est ça, et à chaque fois que tu joues créature. Un sort. Voilà, et à chaque fois que tu joues un sort, et bah ça. Ça t'apporte le même coup de mana que. D'accord, c'est pour ça qu'il n'y a pas de créature dans le deck. C'est ça. Parce que les créatures elles sont invoquées par le sort. Ok. C'est ça. Bah après je peux en mais du coup t'es con parce que t'as dépensé ton truc, ton sort. De quoi? T'as dépensé ton truc, ton pouvoir héroïque et du coup tu peux plus rien jouer. Oui, mais c'est la fin de mon tour. Oui, mais pourquoi t'as pas joué une créature, un sort à deux? Parce qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de créature. Non, j'avoue. J'ai pas lu, ok. Il a une arme lui. Ah, toi aussi t'as une arme. Yes! Détruit un serviteur, votre adversaire pioche de cœur. Ah, c'est nul. Ouais, c'est nul, pour plus tard. Et c'est quoi ça? Ça, c'est mon pouvoir héroïque, c'est la dague que j'ai là. Et comme du coup, bah, je vais rien jouer, bah, je peux la reboot entre guillemets pour le prochain tour. Mais ouais. Est-ce que c'est quoi? Putain, je me sens bizarre, ce truc là. D'accord, donc là en fait tu l'as rajouté pour que ça te... D'accord, ok, j'ai ouais. C'est quoi son sort? Quoi? Putain, c'est quoi ça? Genre non! Attends, j'arrive pas à lire. Et... mort pendant cette partie. Ouais, d'accord, inflige 5 points de dégâts. Bah oui, un serviteur. Bah c'est ça qu'il faut que tu fasses. Comme ça, tu vas le tuer. Oui, à la limite. Réparation disponible. Ah, parce que Mego, il a vu un pigeon. Donc, oui, ah, d'accord. Il fait tout le temps ça? Ouais. Oh putain, je me sens tellement pas bien. Tu vas le perdre, ce bras de fer. Pense, ça va être cool. Ça va être le premier bras de fer perdu sur la chaîne. Depuis, ouais, depuis que je joue à personne et depuis que j'ai commencé à jouer sur la chaîne. Ah ouais. Parce que les gens, ils savent pas, ça fait que 2 épisodes, mais t'as jamais perdu, tu vois. Eh ouais. Et là, je suis bien parti pour perdre. Oh, attends. Donc pourquoi t'as eu un truc de 5-5? C'était un de tes sorts? Ouais.
Du coup, mais lui, il a eu une putain de légendaire et moi, j'ai eu un... Attends. Mais what? Oh non, c'est une blague, ça. Non, mais sans déconner. Attends, on va pas à le voir. Oh, j'ai perdu, c'est fou. C'est une bête. Et pourquoi il a eu ça, je comprends pas. En gros... Pourquoi il a eu ça? J'arrive pas à comprendre en fait. C'était quoi son sort? C'est un sort qui... Alors, je sais pas si va être là, voilà. Transforme vos cristaux de mana en serviteurs 2-2. D'accord. Et en fait, ça lui... Mais ça lui brise tous ses cristaux. Et en fait, si je tue les créatures, il va récupérer des cristaux. Donc là, il est à 0, il va repartir en tour 1, tour 2, tour 3, des trucs comme ça. Ah, par contre, c'est un peu chaud pour lui quand même. Ouais. Il a plus de mana, donc il y a moyen de faire un truc assez intelligent. Faut que t'invoques les tréantes 2-2, non? J'en sais. Ah, comme ça, au moins, t'as des créatures en face, non? Je me Pourquoi lui, il a des putains de trucs et pas moi? Bah, c'est pas mal, 2-2, c'est pareil que lui. Maintenant, attends, c'est quoi, t'es quoi? Détruis un serviteur? Un adverse de ton adversaire, pioche des cartes. Bah, moi, je détruirais lui. Non? Et tu pioches des cartes? Bah, ouais. Si, essaye de t'en sortir en détruisant des serviteurs. Et chaque fois qu'un serviteur joue, il gagne plus de. Vas-y, attaque maintenant ces petites créatures. Ouais, donc... ouais, si, c'est pas mal. Tu vois, ça va. Tu vois, ça va. Sauf si il me fait sa mort et qu'il a des putains de sorts, genre boule de feu ou des trucs comme ça. Voilà. Et là, je suis trop 8, mal. 8 points de vie. Mais non, il peut pas les jouer, il a que 3. Christo. Oh. C'est ça aussi le truc. C'est ça qui est intelligent. C'est que du coup, là, il a plus de 3 parce que t'as pas. Et limite, attaque pas trop ces créatures. Comme ça. C'est ça. Parce que tu donnes pas. Bah alors, là j'ai 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Et c'est pas mal hein, si t'as un petit sort pour lui faire mal. Bah. Ah bah non, je peux pas le jouer là après. Non, tu peux pas le jouer après. Bah donne plus 2 plus 2 à vos serviteurs. Ouais, on va voir. J'ai. Ouais, sauf si t'as un serviteur en moins. 4, 8. Bah après, ça va dépendre de ce qu'il va faire quoi. Ça commence à avoir de moins en moins de serviteurs. De moins en moins de serviteurs. De moins en moins de serviteurs. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est putain de cristaux. On se détend un peu bien. Ok, on va réfléchir bien. Un serviteur aléatoire du deck de votre adversaire sur le champ de bataille. Non, sur son champ de bataille, du coup, sur ouais, son truc. Alors, remplace au pouvoir héroïque de vos cartes de monnaie, place de toute classe. Carte coûte un cristal de moins, ça peut être rigolo, mais je sais pas si c'est. Oui, mais si tu joues ça. Ouais. Hmm. Faudrait que t'invoques un maximum de créatures et que tu leur mettes le plus 2 là. Pour le tour d'après. T'as pas moyen d'invoquer un maximum de créatures? Bah là, je peux en faire 2. Vas-y. Mais à la limite, place mon pied. Si, Dobby? Bah. Non, c'est du serviteur adverse. Bah, celui de droite, non? Ouais, on fait. Ah, de corps! Ah oui, ça me sauve. Ça c'est pas mal. Et remplace votre pouvoir héroïque et vos cartes. Et les cartes coûtent un cristal. Et du coup... Ah, ça me rend de la vie. C'est pas mal. Ah oui. Maintenant attaque, dépêche-toi. Attaque pas sa créature là, hein. Surtout. Voilà, et attaque le maintenant. Ouais, nickel. Comme ça il a un... C'est pas mal. C'est pas mal, Ludo. On va peut-être s'en sortir. C'est pas mal. Peut-être que ça va aller. On sait pas. Alors je me sens tellement paumé. Non mais là c'est pas mal parce que du coup là il est merdique avec son truc là. Yes. Est-ce que tu vas pouvoir jouer ton truc après là? Fais passer l'attaque et les PV d'un serviteur à 10. Alors, tu mets attends, ça sur une des nulles. 3, 9, 10, 11, 12. Et si lui je le fais passer à 10, ouais, il meurt. Mais il faut qu'il tue aucune de ses créatures. Mais il y a moyen de faire un truc pas mal. Fais s'il fait Techniquement... et foire ta mère. Foire ta mère. Te rends pas de PV. Qu'est-ce qu'il fout? Ah merde! Oh le bâtard! C'était bien joué ça. Ça a bien rayé le champ de bataille. Bon, alors attends, réfléchis. Chaque serviteur allié blessé. Ouais. Tu peux du coup refaire une deuxième comme ça. Ça peut être pas mal pour te protéger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou alors à la limite, tu places. Ouais, non, je sais pas. Tellement d'options. Ouais, tellement d'options. Place une copine d'un serviteur à la... Toi... Ah non, c'était chaud, ça. Sur le champ de bataille. Choisis un serviteur adverse. Le place dans votre deck. C'est pas mal aussi. Place 6, 7, 8, 9. T'as combien? Blessé, là, t'as 8. Ouais, la limite, je vais faire ça. Ouais, moi, je ferais ça, comme ça. Comme ça, je fais ça. Et la limite, je remets. Et attends, et ça... Et...
c'est quoi ça? Ça, ça rend de la vie, mais du coup, comme ah, ça, j'ai deux provoques. Et t'as pas pu attaquer là? Comme ça. Bah non, parce que celle-là, elle a zéro d'attaque. Ah, zéro d'attaque, et les autres viennent d'apparaître, ok. Ouais. Mais du coup, ça c'est pas mal, ça, d'avoir, tu vois, ça, là. D'avoir deux provoques, Oui, c'est provocation. Bon, j'essaye de survivre un maximum. C'est provocation, hein, ça s'appelle le truc où... Ouais. Où tu... Oui, c'est ça. C'est pas mal, parce que du coup, il... Après chaque fois... Putain, mais what? Mais c'est quoi, ce truc de bâtard? Non, mais il a des sorts trop pétés. Mais c'est quoi? Mais pourquoi il a ça? Oui, c'est fait mal, mais il s'en fout, lui, il a... Non, mais what? Mais what the fuck? C'est la vie! C'est David Lafarge là ou quoi? Bah ouais! Salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon! Alors aujourd'hui on va vous en foutre plein la gueule! Je me demande. Ah non! Je me demande! Bah oui, bien sûr! Trois copies dans le deck! Mais oui! Oh. Ah! Dans le deck, dans le deck, dans le deck! Chaque fois vous lancez un sort gain plus 2 pendant ce tour et ça c'est trop pété! Mais what the fuck? Le mec a trop de la chatte! Un fiche de points de dégâts à tous les adversaires, c'est nul! Bah, ça va pas la tuer. Ça tue celle-là déjà. Ouais, mais. Ça un peu moins dans la merde. Mais attends, avant de jouer, t'as quoi en... C'est quoi ton truc 7 là? 7? C'est les 7 feux follets. Ah, c'est pas dégueulasse quand même, 7 feux follets. Mais après, t'as plus de rien pour attaquer. C'est ça, donc. C'est chose qu'après, il va t'attaquer, t'auras plus rien. C'est quoi le 6 là? Choisis un serviteur adverse. Ouais, c'est nul. Deck. Ça, c'est nul aussi. C'est soit ça, soit ça. Ouais, en sachant que si tu joues ça, tu peux te restaurer un peu de PV. Fais ça. Ah, génial, ça c'est très bon. Nickel. Prends-toi de la life, mon gars. C'est pas mal, je pense que c'est pas mal. C'est pas dégueu. Moi j'ai la chatte pour survivre, lui il a la chatte pour me buter, tu vois. T'as la chatte pour survivre, alors là vous êtes à même HP. Ouais, en plus. Donc, il faut que t'arrives à réussir à placer le putain de truc 10 là. Il donne 10 à 10-10 là, et comme ça tu vas lui faire un bam le dégât. Qu'est-ce qu'il fait quoi? What? Oh non! Non! Non, ça marche pas. What? C'est quoi? Reno Jackson, mais comme il l'a pas joué de sa main, parce qu'on peut. Reno Jackson, pour t'expliquer mon petit. C'est un légendaire qui te rend tous tes points de vie. Ah, c'est sauf que faut jouer de sa main. Mais c'est quoi ce truc de pété là, sans déconner? De pété. Non mais. De pété, carrément. Aïe, non, mais... aïe, 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 aïe. Tu peux y arriver. Enfin là... Invoque tes serviteurs. Si j'ai rien, après j'ai perdu. Ouais, bah laisse tomber, j'ai perdu. Non, non, si. Mets tes serviteurs. Tout cela. Oui, il est fait follet, oui, surtout. Là. C'est pas dégueu, quand même. C'est pas dégueu, mais... Ensuite, attends. Rends-toi des HP. De toute façon, je sais plus que ça à faire. Ah, bah, il termine. Ah, c'est du 9-11. C'est 11. Ouais, 11. Il met 12. Y'a moyen de je sais pas quoi. Si après j'ai pas un sort qui me sauve, j'ai perdu. Et encore, il te met 12, mais s'il a pas un truc à invoquer, un truc cool, tu vois. Ouais, en plus. Mais putain, c'est pas humain d'avoir de la chatte comme ça, sans déconner. Bah, t'aurais pu l'avoir la chatte. Hein. Oui, bah, je l'ai pas eu. Bah, voilà. Là, bah, c'est bon, j'ai perdu. Pour l'honneur, on fait genre on n'a pas perdu. Ah, on n'a pas perdu. Mais attends, tous ces sorts, ils ont invoqué les trois quarts de temps des putains de légendaires. Moi, j'ai rien. Je suis désolé pour toi, je suis désolé. Oh, je suis. Bon. Et bah bon, le bras de fer, il est perdu. Il est perdu. Je suis désolé. Elle est dégoûtée, elle vous dit même pas au revoir, elle s'en fout complètement, tu sais. Ma première défaite en première partie. Et c'est devant vos yeux. Devant vos yeux, ouais. Ouais, mais j'ai pas eu de chat dessus. C'est la stratégie qui compte, t'as tout foiré, ok? T'as tout foiré. Je vais te le dire, t'as tout foiré. Bon, ouais, les gens, un maximum de pouces bleus pour elle, pour la soutenir. Sur cette défaite, hein, je vous dis bonne soirée. Donc, dites-nous dans les commentaires si elle avait la moyen ou pas de s'en sortir. Voilà. Ouais, si j'avais les bons joueurs de Hearthstone, est-ce qu'elle avait un moment fait ce qu'il faut pas? Moi je pense que c'était pas mal, t'as bien joué, mais le truc c'est effectivement ton tirage était pas merdique, mais son tirage était surpuissant. Quoi. Peut-être que, bah ouais, non mais je sais, hein, j'ai fait de la merde, mais j'aurais pas dû enlever le sort au début. Peut-être c'est que j'aurais survécu, le truc t'inflige 4 et 2 aux autres, je crois, quelque chose comme ça. Ah, t'avais ça?
Bah celui qui était au tout début, et j'ai dit que pour l'instant ça sert à rien, si ça sert à rien. Ah peut-être en tirage de départ, dans ta main, c'est possible. Ouais, voilà, j'ai fait la con, j'ai fait de la merde et j'ai... Non, t'as pas fait de la merde, je suis pas d'accord. Bon, et bien voilà. Les gens, à plus. Sur ce, à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à suivre cette vidéo. Allez sur le Twitter, Facebook et à cliquer sur la tête à nono pour rien. Parce que ça fait rien si on clique sur la tête à nono. Voilà. Bisous tout le monde. Bisous et à la semaine prochaine. Oui. Salut.